de Hanoï, les races de gosses ont remplacé depuis longtemps les chasseurs de l'US Air Force. Sur les eaux de la rivière Saigon, plus de 14 années ont glissé. Aujourd'hui, le vacarme des pétards de Nouvel An n'évoque pas pour ses enfants les fracas de la guerre. Il n'y a pas si longtemps, ce réseau de galeries souterraines abritait les matiseurs Vietcong qui frappaient Saigon. Aujourd'hui, les tunnels de Cochin sont fréquentés par des touristes, souvent américains. Et surprise, regardez bien, voici Oliver Stone. Okay, Oliver. Blessé deux fois au Vietnam et metteur en scène de sa propre histoire dans Platoon, le film qui l'a rendu célèbre, Oliver Stone se souvient. 21 years old, I was in Vietnam. 21 ans, et pendant le test de 68, alors il y a 21 ans depuis, j'ai fait deux fois la vie depuis 49 ans. C'était sale ici la guerre, très mauvaise. J'étais dans 25e infantry, et on était à Da Tieng. Reçu très officiellement par le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, Stone ne retrouvera pas à Dao Tieng les vestiges du cauchemar qui, 21 ans après, font toujours de lui un homme souriant, mais perpétuellement inquiet, songeur. J'étais dans plusieurs, tu vois, dans le Nord, l'esprit des gens qui nous ont battus et qui pouvaient nous battre. Qui pouvait soumettre avec la bombe, who could withstand the bomb, who could resist the bomb. I saw the hard, the rock hard determination, la détermination de ces gens. À côté d'eux, nous étions des esprits, ici, des ghosts. We were ghosts in their landscape. Their landscape went back for many centuries, and we were just visitors for a period of time. De fer tourné vers le large, les anciens radars géants de la marine américaine semblent toujours tendre l'oreille sur les hauteurs du Cap Saint-Jacques. Écoutez. Voici Robin Gomez et Gordon Smith. Eux aussi ont fait la guerre du Vietnam. Sur le terrain qu'ils défrichent, s'élèvera demain le dispensaire qu'ils veulent construire. Hier, dans les troupes de choc, Gomez s'est découvert de médailles. Aujourd'hui, technicien ordinateur en Californie. Smith, ancien de l'US Air Force, avait craqué à son retour. Il est aujourd'hui entrepreneur en bâtiment. Comme la plupart des anciens du Vietnam, il m'a fallu du temps pour digérer. Et puis, j'ai ressenti un besoin profond d'y retourner. Je crois qu'une démarche comme la mienne pourrait aider beaucoup de ceux qui, comme moi, ont besoin de remettre les choses en place et de se libérer de leur cauchemar vietnamien. Enfin, autant que cela est possible. À l'époque, on m'avait envoyé ici aider les Vietnamiens, mais aujourd'hui, je crois vraiment que je le peux. Ce qui est évident à mes yeux, c'est que ce pays souffre toujours des conséquences de la guerre, surtout économiquement, à la pauvreté. En tant que psychologue conseil pour les anciens combattants de cette guerre, je crois qu'on peut trouver ici une forme d'apaisement. Vous voulez dire qu'en aidant les Vietnamiens, vous vous soignez vous-même? Comment ça? Eh bien, ce qui compte, c'est de mettre la main à la pâte. Non pas d'y penser, d'en parler, ça ne suffit pas, mais il faut le faire. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est très bizarre. Quand j'étais aux États-Unis, je pensais beaucoup à la guerre au Vietnam. Eh bien, depuis que je suis revenu, la guerre m'est sortie de l'esprit. Comme Robin et Gordon, plusieurs centaines d'ex-soldats américains ont déjà fait le pèlerinage du Vietnam.
nostalgie, curiosité, culpabilité ou thérapeutique, ces retours en arrière expriment souvent un besoin profond. Et le gouvernement de Hanoï, qui cherche toujours à renouer avec Washington, maintient grande ouverte la porte de leurs souvenirs. What do you